Et est-ce que PNH là gagne un problème de gouvernance? Bon, l'évident est, Robinson, que gagner et du problème de gouvernance interne à la police là qui pas remonté, qui pas existé aujourd'hui, ça fait 12, depuis bien longtemps, et ça a entré tout dans et conception et politique, yo, problème de politique, yo, pas de dirigeant politique, yo. De ça, il y a les institutions, les arrivées dans la position pour diriger le pays. Donc, problème de gouvernance, là, moi, je suis capable de dire que nous avons remonté depuis et la création de la police, là. On va aller très loin, hein. La création de la police, là, dans la mesure où nous connaissons et ce qui base la police, là, déjà déformée et dans le contexte qu'elle a créé, là. Donc, qui devine fait que, dans l'époque, là, on n'a pas senti côté que tu as gagné. Ça n'a dit, ils ont vraiment une compréhension et de conjoncture et la mise sous pied une institution d'un coup et PNH, une force de sécurité par exemple qui était PNH à l'époque là, demander un peu de bagaille. Donc qui sont des ouais ou tout simplement que t'es une volonté à la caille d'idée à l'époque là et demander pour écraser l'armée puis au bail la police. Ok. Mais le nom de Dieu, c'est Iboun qui est la communauté nationale, là, qui va aucun, qui va connaître aucun rien en réalité dans vivre nous-mêmes en tant qu'haïtien milieu. Donc, qui fait que, ou devine ou pas de implication vraiment, et contrepartie haïtienne, là, l'homme dit contrepartie haïtienne, ça se considère comme interlocuteur, comme c'est monde qui est là pour participer dans la création, quoi, qui a bail des directives, qui a dit, mais qui police nous de besoin, nous besoin pour Haïti. Donc, l'Iboun fait que, et dans le moment, et quand je s'en fais, ou te demande un bagage, ou bah ou, ça, ou comprenne qui bon. Mais à la vérité, c'est pas ça, n'était besoin dans le moment, ça avait tout des besoins. On institutions qui prennent au service aux populations, qui prennent divorcer avec certaines pratiques que t'as proposé la mais avant. Donc, pour que servir aux populations, dans le sens, bah, protéger le national de vie. Donc, à partir de là, ou mal parti, l'on mal parti comme ça, c'est sûr que qu'on est là, non, on t'a bien déterminé que la situation va exister. Qui vient faire que qu'on y a là, problème, respect, loi, règlement interne, la police là, et les principes, normes qui sont établies, l'idée nouveau, mais depuis avant, nous va respecter, non, c'est donc cadre, non, routine, qui vient faire que la police s'est venue à gérer urgence dans le moment, et ouais, après 10 ans, le bénéfice, c'est bon, c'était prévisible. Donc, l'on a passé ces situations à partir de 2004, 2005, 2005. Donc, tu écoutes, ouais, que mission qu'on t'a gagné, lui qui t'a gagné en 2005, quand vous t'es fait en 2005, à 2012, à 2012, donc, c'était redresser l'institution et regagner confiance population. Puisque t'as l'autre parlé de confiance, t'as eu l'aime confiance, effectivement, à côté de l'aime gouvernance, là. Donc, l'homme essaie de créer un cadre légal pour dire, bon, mais comment pour la police a fonctionné? Donc, oui, rencontrer avec des difficultés, des obstacles, et des fois même, pour les politiques qui a demandé au bout des doigts et pour la police là, ils sont en situation apolitique, ils pas rentrer dans tout le bagage. Donc, une routine a établi jusqu'à présent, nous avons un ensemble de problèmes que la police là a confronté, qui existait bien avant que nous pas déjà résolus. Maintenant, du lieu de ces coopérants, de ces partenaires qui jouent un rôle important, dans mettre sous la police là en 1994. Est-ce que un certain niveau de compréhension que l'on peut avoir par rapport à la réticence à doter la police nationale d'Haïti ou à permettre l'État haïtien de faire acquisition, qui est formulé comme ça, d'équipement et qui va permettre de renforcer la capacité opérationnelle, l'État pour fusil d'assaut, char d'opération, équipement de communication sophistiqué à des fins de renseignement? Bon, ok, mais c'est pas bon, il va parler de police. En général, d'une manière standard, on va de police, il y a des bagages, il y a cassé des bagages. Donc, c'est pour dire, la police a suspendu la police. Soit un conjoint d'amour, bien que l'on l'avait, quoi. Donc, avec réflexion, c'est ça le bail, très souvent. Et même la police a été créée, ou c'est toujours ce même réflexion, c'est que vous êtes chef, vous êtes c'est conceptuel et dogmatique, si vous comprenez bien. C'est un uniforme changé. C'est bon, commissariat, tout le monde est en casette. En casette, tout le monde est en bleu blanc.
Ça veut dire c'est nous, même si la caille nous, même nous, il est ni un haïtien, il est complètement chef là. Donc, qui ça veut nous faire aujourd'hui là? Nous pas besoin d'étonner que l'international a réticent justement pour nous soit et vendre matériel ou bien d'avoir une aide quelconque. Je n'en parle de Brodia. Pour qui ça? Parce que, il n'y a pas gagné une institution qui a bien supporté, une institution qui est fiable, que la population connaît en lit, et puis qu'on y a qui ont des marches tout logiques, qui ont des marches institutionnelles qu'on y a, qui ont adressé ces questions sécuritaires. C'est ça lié. Donc, si on dit l'étranger a décidé de venir, ok, mais il faut qu'au moins on dit lui a venir en support avec PNH là. Ok, mais qu'on y a là, mon Dieu, c'est un opérant d'IA, qu'on y a fait un établi. C'est sûr que qu'on y a un moment donné, si nous, il y a une suspicion que il y a une force là, il y a un pile moula dans qui est impliqué dans ces bagailles louches et illégales, mais il y a quand même une responsabilité à vous, il n'y a pas quand même fait police pour la caillou. Donc, c'est ça, si puisque il y a une institution qu'on y a, qu'on y a dit, soit on n'a pas encadré le vol, et qui il y a besoin au niveau, qui répond avec nos internationaux. Donc, il y a un problème de Kavin. Si il y a bien des dons type d'intervention, comment dire? Si il y a bien des pour occuper les pays, ou bien carrément, il y a une force de la paix, une mission de la paix, puis, soit il y a une logique de refaire institution et autres, ça, c'est notre affaire. Mais, dans le genre, même comprendre le niveau d'IA là, que nous avons aimé, nous avons aidé nous, nous là, et combattre la sécurité là. Mais pour combattre la sécurité là, les pour autant, c'est faire police pour la caillou. Parce que, ou pas qu'il y a une institution qui existe, qu'on y a, vous avez besoin de aider. Donc, ça vient d'un problème, pour moi-même, ça, un problème, non, aide ou demandé. Deuxièmement, effectivement, et là, qu'on y a un police, et qu'on y a pif op nek police, il n'y a pas d'entraîner au départ pour mode genre de situation, ça, ou on demande pour acheter fusil d'assaut, ou on demande pour acheter hélicoptère, ou on demande pour acheter, même, il y a des types de chats blindés qui répondent avec l'armée. Donc, là encore, qui visage, ou même, on peut le faire de yo, puisque déjà, un problème de confiance et puis un problème de formation tout à la base qui va demander qui fait que comme c'est du baka et à l'investir même la caille au cobio et puis du coup il y a pour dire merci Dieu que la tâche est continue donc on veut probable soit bien dans cadre intervention que il va faire avec la police souterrain qui rôle va gagner est-ce qu'il a fait périmètre ou bien a fait pénétration avec la police ça ou bien tout simplement qu'on y a des problèmes pour tout ça opposé en termes de et engagement au souterrain. Donc là, si il y a un dommage collatéral, mon blessé, ça a passé. Qui est la responsabilité là? Nous-mêmes ou bien nous-mêmes? Là, tout ça au côté dans tout. C'est aussi réticence. Il faut qu'on comprenne ni c'est pas tellement pour nous. Et négocier Calvin, il y a des nuits où là, qui était la passer comme ça, comme si dans l'autre des langages ça. Il y a là où tout pourrait encore bagarrer avec qui était passé comme ça. Mais mon problème, pas grave, pas grave, pas grave, passer là. Oui, mais il y a même tout à un certain moment de la durée. Il y a dit nous, mais quand il était bien engagé pour la police, le basket fond. Qui a géré par le PNUD, il retourne dans des ambassadeurs pour faire photo dans des séances de formation. Mais là, nous ne sommes pas, si vous comprenez, nous, dans ce qui doit être un grand chantier, si vous comprenez bien, à la fois pour nous dire est-ce que je dis à la bonne PNH ou bien la bonne gendarmerie. Et là, si nous avons changé l'orientation, il faudrait un cadre légal approprié. Deuxièmement, il faudrait la formation. Troisièmement, définir l'équipement. Quatrièmement, définir la mission. Donc, nous gagnons devant nous, si vous comprenez bien, un grand chantier en matière de sécurité. Et pour le moment, c'est parler, moi, et avec un certain niveau, c'est de mon dit de faire semblant, M. Anderson. Bon, attendez, mais nous-mêmes, tout est-ce que nous clair, nous-mêmes, ça nous besoin. C'est pas le problème, non, ça veut dire. Si vous pas clair, nous sommes besoin. Nous n'en sommes pas dit. Qui sont collés pour avancer? Vous n'avez pas avancer pour. Donc, le problème, c'est vous connaissez. Et vous-même, qui t'a bail comment pour adresser autour. Vous comprenez? Donc, si vous même qu'on y aurait trop attendu, c'est comme si d'un doux, c'est bon, c'est bon, c'est réflexe haïtien, j'étais pendant toute l'année, ça va regarder. Ça veut dire, c'est blanc pour ta dire, mais, pas vrai. C'est au coup, avec projet. C'est au coup, avec plan. Mais côté, vous voulez aller. Vous voulez aller là, et mais ok, mais ça va besoin pour mal là. Mais c'est vous même pour qui dire, il va pas dire la place, non? Donc, je dis, comme si d'un doux, on soit de, mon, dans les spectatifs, il y a tant qu'on y a pour international, t'as dit, vous avez fait tel bagage, mais qui initiative nous prend au niveau local? On est comme si on a deux et qui fiable tout et vous n'avez qu'une à poser ces questions pas que ça donc oui c'est vous avez tout bien parlé en plus vous avez tout dit que basket fond il y a pas le tout réticent tout qu'on a pour débloquer comme ça autour parce que vous connaissez débloquer comme vous dit pas passé j'ai comme si on a deux j'ai tout arrivé j'ai pour le passer a tout gros problème qui initiative locale justement et nous allons apprendre là je dis là par rapport à détérioration et climat sécuritaire là pratiquement on ne peut même plus parler de sécurité et c'est dans ce monde c'est extermination ben dit après dans des quartiers. Donc, l'initiative locale, mais nous ne pouvons pas qu'elle nous le oui, mais nous perdons tout le temps, nous avons même temps qu'on a pris des initiatives de voir après, nous qui t'y passé. Donc, c'est normal qu'on y a aujourd'hui là, ou privé, tout le temps, mais demande vous avez réduit, parce que chaque temps, perdu du moment, donc, mieux, et puis, vous avez capacité. Dossier, c'est évolué, avez évolué. Qui, pas, moi, je pensais que aujourd'hui là,
malgré que j'en ai là, je veux dire, même penser que c'est une opportunité qu'on a pour tout résoudre, pour ces problèmes au niveau sécuritaire. Pas oublier que l'édifice sécuritaire de l'Ouest est fondé depuis 1986, qui fait aujourd'hui à la autorisation tombée là. La police a aujourd'hui à la, malgré le formé depuis 1995, n'est pas couvert tout le territoire. Donc, c'est ce communal qui était vide, pas grand canarien, en termes de police, pour qu'on ait de présence police. Donc, ils allaient, je veux dire, quelle initiative vous avez pris? Bon, c'est sûr que je ne vais pas le parler, je vais le dire, oui, on en fait ça, un, deux, trois, quatre, mais moi, je pensais que, je veux dire, il y a des barres capables de faire, par exemple, moi-même, t'es au moment donné, je t'ai suggéré, écoute, il y a des unités, des éléments que vous prenez dans le PNH, là, et puis qui ont été formés dans ce sens, qui t'a adressé ces questions. Parce que je veux dire, il y a un problème police, ou il y a un problème sécurité publique, ou il y a seulement, son problème de sécurité nationale, et leur problème de sécurité nationale, une force de police, pas qu'à adresser. Donc, c'est ça qu'on a nous-mêmes, bon côté, pas nous. Si, par exemple, nos entités, même si c'est sous papier que l'armée, c'est deux bagages, soit à renforcer, avec, bien sûr, et aide, et communauté internationale, là, mais avec un plan bien déterminé, et qui pourra adresser le problème, non, ensemble avec la police. Mais là, c'est ça qu'on a chaque fois des missions, et souterrain. Donc, nous ne pouvons pas trop élaborer ce qui est l'initiative de la CAPRE, parce que l'entrée du gouvernement dans le cadre de stratégie et d'opération, pour ça, pour pouvoir adresser ces questions, je vous dis, à Jean-Lier, là. Oui, comprends. Mais l'autre initiative que nous sommes capables de prendre, c'est de nous sommes capables d'amener à long terme, pour reconfigurer justement et gouvernance sécurité là en Haïti en général. Est-ce que ça, c'est des éléments susceptibles de ramener la crédibilité nécessaire pour que nous parlions à partenaires, qu'il y ait un respect pour nous et qu'il y ait une compréhension que nous atteignons un certain niveau de maturité? Oui, mais il faut commencer à poser des actes. Pour qu'il y ait accès à un certain niveau d'équipement? Il n'y a pas accès, même pas accès à certains niveaux d'équipement. Parce que, pas oublier, il n'y a pas d'équipement et des armes et autres. Déjà, il y a où entrer dans le contexte, il est officiel, pas à ce moment-là. Il n'y a pas d'encontre, il n'y a pas d'encontre, il n'y a pas d'alimenter des terrains, je dis, avec des armes qui ont pris, il y a pris, je vois, sous terrain. Ça veut dire, même parce qu'on l'État, avec responsable, il faut aussi, il faut que l'on bien défini qu'on y est là, il faut que l'on avec l'Union nationale là, maintenant, qui sait ce nous-là aller. Il faut capable de venir ça au besoin en général. Mais nous ne pouvons pas arriver dans la situation ça du tout, puisque si nous parlons de nous, c'est bon, nous essayons de nous élever les souverains et autres, il faut qu'il y ait une logique qui est supposée respecter. C'est parce que justement, nous ne pas entrer dans le cadre de consignado, avec nous ne pas considérer nous en partenaire, nous ne pas traiter avec égal à égal, en sens consignado, nous ne pas montrer aucun consignado nous-mêmes, nous sommes seulement déterminés et nous avons volonté pour avancer. Qu'ils ont reconnu à chaque fois, nous font bagaille, nous commençons et puis nous ne sommes pas finis. Et puis, il faut expliquer ça avec nous tous, tout ça, nous gardons nos casés. Donc, nous avons des policiers, nous avons là, entre guillemets, ça veut dire que nous avons des casés. Donc, ça veut dire que nous avons tout ça, nous avons des casés, nous avons pour avancer, il n'y a pas qu'à faire confiance à ça. Mais pour nous amener la crédibilité dans le pays, il faut que nous avons des gens qui sont en face, qui parlent avec nous, qui disent, écoutez, nous allons aller, sans que nous allons entrer dans le bas de l'estomac et autres. Ça veut dire que nous avons des cas logiques, mais comment nous voulons évoluer? Parce que même de faire expérience avec vous pendant 7 ans au niveau bilatéral, moi, je ne vais pas dire aucun problème, je ne vais pas dire poser quoi que ce soit. C'est moi qui dis, il y en a qui savent aller, il y en a qui disent, je vais aller. Mais je vais aller, ce n'est pas vous, je n'aime pas, non, selon la loi, avec les règlements. C'est aussi simple que ça. Si on reste pas du respect des normes avec les principes, oui, nous ne pouvons pas faire ça. Je ne vais pas respecter les principes, puisque nous ne pouvons pas respecter la constitution, nous ne pouvons pas respecter la loi, nous ne pouvons pas respecter rien. Mais c'est normal, je dis, à un niveau, ça, qu'on y a plus réticent. Encore plus, parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de âmes. Je comprends. Maintenant, nous vivons une situation pratiquement de siège de la capitale et des centres de pouvoir. Et est-ce qu'il faudrait craindre un matin que Bandio, criminels, ont poussé audacieux et saisi les centres de pouvoir? Sont hypothèses plausibles ou pas, M. Anderson? Même plausible dans la mesure où, dans ces circonstances, nous avons dit là, moi-même, parce que l'autorité, au fait, pour établir priorité, par exemple, en termes de comment nous capables, justement, protéger ce pouvoir, ça. Donc, là encore, faut que si t'as, qu'on y a pour garder, qu'on faut anticiper, et actuellement, dire, on propose des questions, parce qu'on voit la perspective. Mais, faut être très bien que nous réfléchissons bien, parce que si on a pas la même réponse, avec même problème, alors, il y a une réponse, on va pas résoudre le problème, mais le problème, on va jamais résoudre. C'est ça, il n'y a pas gagné encore, non? Et donc, il faut qu'au moins, nous prenions des initiatives. Faut que nous audacieux quand même, faut que nous créatifs. C'est le moment ça. C'est le moment pour nous transcender. C'est le moment pour nous faire sacrifice. C'est le moment pour nous créer, je dis aïe. Donc, c'est pas arrêté, donc, si t'as la fête politique, si cool, l'autre bagaille, ou t'as fait un peu de pouvoir, c'est peut-être pour parler des autres. Non, je dis à son pays qui est en danger. Je dis à plus que jamais, c'est sécurité qu'on a nous besoin pour nous avancer. Mais nous pas arrêter qu'on a fait pour la fête politique. Donc, pour ça, ne pas arriver ces questions.
On avait ces questions. Dernièrement, tu as parlé d'un fonds forum sur sécurité. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Aussi, il n'y a pas qu'un fonds forum public sur sécurité. Si on a parlé de décisions qu'on est capable de prendre, ou bien qu'on a pris des cas. Ça, je vais nous capable de vous faire, pour vous présenter là. Il y a des aspects en question. C'est pas, c'est à huis clos pour faire, on a parlé de sécurité quand même. Donc, moi, je pensais que, et dans le cas, ça a été fait. HCT était fait et le défi de monter. Bon, c'est non, oui, en quelque sorte. Bon, parce que, bah, ouais, c'est, on va pas un problème de sécurité à un forum public. On a parlé de sécurité, vous comprenez? Bon, c'est point de vue pas moi. Bon, bah, c'est quoi ça me comprendre? Peut-être que c'est pas ça, vous devez vous-même, vous comprenez? Donc, maintenant, il pas capable. Maintenant, on va vous donner une question avant d'aller poser le drapeau. Et, on voulait dans la gouvernance, il faut que vous abordiez. Force institution dépend de l'histoire, de capacité pour disposer et de ressources qui est prouvée par l'expérience. En illustration, et aux États-Unis, une série de fonctions où tu es directeur général, où tu es responsable et CIA, où tu es responsable des services de renseignement militaire, où tu es arrivé high-ranking member dans l'armée, où tu as des credentials qui ont accès à un certain niveau d'information. Et quand c'est nécessaire, les équipes qui sont sur le terrain, même si elles sont très compétentes, ils font appel à ressources pour aider, parce que un, deux, trois cerveaux en plus, et pas trop pour mieux comprendre et des problématiques, des policiers et joindre des actions concrètes. Et est-ce que, à votre connaissance, sont pratiques qui installées en Haïti? Si oui, depuis qu'il est, sinon, est-ce que c'est dommage? Non, je dis ça. Non, je dis ça. Nous-mêmes, pas même une continuité au niveau à faire l'État. Donc, même si on dit l'institution est vérité, soit le débat, bon, bien des services, est estimé que, il faut le défaire appréciable. Yo capable faire et on va venir yo ca et consulter li consignado on les consacre consignado juste pour bon pas connait m'ka dit pour la galerie mais quand même il pas entrer dans culture nous qu'on a pour ça au moins pour nous formaliser nous va dans ça pas que ça ça c'est du tout et c'est dommage quand même c'est bien dommage effectivement parce que avec idée de partager côté ca avancer et plus facilement ou du moins avec plus de lucidité tout non adressé qui Magique 9 toute nouvelle sans stress sur 100.9 c'est et son bagage formel au bon endroit là et il y aura mon point de vue sur une question même pas avec tout le monde qui avant de venir il me dit moi comment moi avec comment d'aller mais dans qui ça c'est d'aller ça arrêter là comment non comprendre maintenant nous parlons pour le rapport au retour mon dernier question avant de passer Dani et malheureusement ici nous pas gain timeline nous pas gain échéancier pour nous agir et gain plus passé un an débat fait sur la police sur sécurité sur nécessité pour ta passer dans police en gendarmerie renforcer l'armée et qui est traité en parent pauvre et qui est mal aimé notamment par la communauté nationale peut-être à cause de son passé et de méthodes utilisées par monsieur Moïse le président pour te remettre sous pied là c'est son autre question maintenant timeline qu'est-ce qu'on peut faire entre aujourd'hui à 3 4 6 8 12 mois qu'ap venir là yo et si ne pas faire yo qui est susceptible de arriver donc ce sera ma dernière question même pas si il faudra des questions en cas de c'est à court et à long terme ça doit coûter un peu de gaz et des problèmes d'énergie en termes de sécurité donc problème dans comment résoudre lui donc ça parle de bonne approche ou pas et pour adopter justement et pour adresser à moyen terme qu'on y a là c'est surtout et comme c'est dans l'institution lui-même je dis à qui la police là comment et au change au compter nous compter comme c'est dans qui orientation nous compter Bali et même pas qu'on capacité de police en gendarmerie comme ça fait nous avons dans pile bagaille et en termes de renforcement et la meilleure bon même pas c'est dire plus que jamais nous avons nécessité justement qu'on y là avec problème de sécurité nationale qui posait aujourd'hui ou gagner ou besoin force de défense parce que sur force de défense il y a une loi qui cadre ces questions ça on pas faire police là pas faire et sécurité publique et sécurité nationale en même temps donc timeline pour faire donc ça va dépendre de qui approche ou gagner qui gens ou avoir des questions qui va déterminer dans combien de temps même les finir à telle phase dans plan non et passer en deuxième phase mais c'est pas ça moi est-ce que politique comprend l'urgence là est-ce que mon société des affaires là comprend l'urgence là est-ce que mon société civile là comprend l'urgence de changer carrément de paradigme, d'être radical dans la façon de penser par rapport à la menace là. Oui, on dit pour changer de paradigme, alors que paradigme pour changer depuis longtemps, c'est nous qui avons eu ça.
C'est nous qui avons état, et pas ça, il a changé pas à dire. Non, c'est nous qui avons état pour la question de sécurité. Parce que nous, toujours, elle n'a pas seulement sécurité publique, nous avons fait de sécurité, toute la sécurité tombe sous dole, sans que au moins, il y ait une bagarre, une politique publique qui accompagne, et tout ça, qui pour le fait, et en termes de sécurité sur le terrain. Donc, qui vient de faire que, on chef la police, très souvent, lui est trouvé, ou bien, on a l'armée, lui est trouvé, lui, avec la police d'initiative, qui va lui conseiller, qui bon, on va l'homme de là, pas gagner, directive, et ou pas gagner tout, là, on l'aime de compétences, tout, l'aime de compétences, ça se concentre à tout. Et les dégâts dans la situation qu'elle pas entraîné pour pas habitué avec lui, donc à ce moment-là, il vit des fois, depuis là, mais le marée. Donc oui, est-ce que les politiques vous comprennent ça? Je vais demander ça, je vais poser ma question. Ou avez des gens qui comprennent ça au niveau politique, mais pas tout le monde, au niveau décisionnel. Parce que les décisions, vous prenez de toute façon. Parce que, en dehors de tout aspect, question politique, moi, je pense que, je dis à plus que jamais, même le conseil d'Alon est à gagner intérêt, le conseil d'Alon fait des politiques de clan, ou bien pour conserver, pour voir et autres, mais vous avez un problème de sécurité posé, la nation est en danger. Et fondement, l'État même, et existence, il est en danger. Donc, moi, je pense justement, question ça, il faut adresser avec monde qui connaît. Nous avons arrêté, nous dégouillons, nous disons, bon, la police, 50 blindés, 30 000 fusils, et puis qu'on y a demandé pour nous demander seulement une question adressée comme ça, parce que le problème, nous disons pas l'État à l'heure, l'institution fait face à des problèmes, à des problèmes internes. Parce que l'on regarde qui s'allie, il y avait des problèmes en dedans pour ça, pourquoi on parle. Moi, je pense qu'il faut adresser le très bien, oui, et il faut adresser le bien, puis qu'on y a pour qu'il y ait un problème de sécurité, ou problème de sécurité qui présente devant lui. Mais l'on pas gagner tout le bagage, ou ce qu'on va le faire. On va l'investir, et tant énergie dans l'institution qu'on y a qui va avoir un résultat pour ta. Pour ta supposé, je veux dire. Et c'est ça, nous, aujourd'hui, oui. Là. Ou que nous avons gagné 50 000 blindés, 30 000 non policiers, depuis ce qu'il y a pas bon, ou avec un problème. Ou que problème. Maintenant, est-ce que nous avons les compétences supérieures, je dis, m'a parlé au niveau des cadres supérieurs qui pour une réflexion à la fois stratégique, tactique, normative, et n'a pas parlé là. Est-ce que ressources humaines, je m'a parlé de mon mi-temps, de mon base, policiers, inspecteurs, est-ce que yo paré pour yo faire bataille ça? Et dernier point, hein, c'est que je dis à les rapports où elles noir sur blanc que ont besoin de vêting, que y a des membres de la police qui n'en gang et gagné clairement une institution qui infiltrée de l'intérieur par les cartels de crime organisé, par les cartels de drogue, par des mondes qui n'en grand banditisme. Et est-ce que je dis à fond bagage tableau ça pour nous dire comment aborder de manière intelligente parce que au final effondrement l'État effondrement institutionnel là il fait affaire monde qui dans le trafic de drogue monde qui dans le trafic d'armes monde qui dans la corruption monde qui besoin de l'État comme ça pour que toujours occupé des fonctions politiques et pour eux et pour clan et qui côté parti saine ça doit sortir qui pour émerger avec radicalité ça volonté de transformation ça et nous sommes des sols. Bon, là, disons, c'est un problème qui est complexe, dans le terme de changement de paradigme ou bien changement d'orientation au niveau de la police, là. Effectivement, on a besoin de 2-3 cadres dans la police, là, qui a réfléchi, ou bon, dans la vie, avec des bagailles, comme quoi, et sous papier, et puis qui a aidé, qui a en perspective, comme si on a dit, en termes de, et changer l'orientation de l'institution. Mais pas toutes, quand même. Parce que, pour regarder, qui sa institution, qui sa fait force li, c'est respect et règlement interne avec tout ça, nous les loyaux. Mais je dis là, avec une force police ou bien comme ça, quand que, par exemple, ou même pyramide hiérarchique qu'elle pas respecté, c'est que, ou qu'on parquet de monde qui vivait dans ces deux positions qu'on y a là, qui pas, qui peut le couler au bout de rivé, mais voilà que qu'on y a pas pris rôle, voilà. Mais qui sa voulait m'aider qu'on y a pas, il y a une capacité pour comprendre la même dimension, au poste qu'elle a occupé. Donc, je dis à aucun problème, ça, oui. Le problème dans lui-même, son problème de qualitatif, donc un déficit qualitatif, justement, ou manque de formation. C'est un problème qui posé. Donc, je dis à là, qui sont prêts à le faire pour adresser le problème de sécurité, pour adresser le de manière institutionnelle et puis avec tout ça, ça a demandé. Donc, faut qu'on pourra adresser ce problème-là. J'ai résolu le problème de gouvernance interne au niveau de la police-là. Même si c'est pour ça, même mal poli, problème de vêtements, problème de monde qui infiltre, qui lance des bagailles, qui va permettre de produire des actes, qui va envoyer des signaux, justement, qui va montrer, qu'un partenaire, qu'on pourra aller dans une autre direction, pour aller. Ça veut dire, nous allons normaliser le fonctionnement institution. Je veux dire, qui pas normal, qui me permet et puis on a ce temps. Donc, ça veut dire, je dis à la problème
interne, gouvernance interne, li rejayi sou et stratégie PNH la prend pour n'aborder carré sur problème sécurité et puis regarder les trois routiniers tout. Nous pouvons même penser police la suspend proactif, li réactif. Ça veut dire qui ça fait et je dis à nous fait toute opération ça et puis pas réussi. Parce que nous avons un problème. Depuis la police vient en face de l'opération, l'opération y a fait là, ça veut dire son problème de prévention posé parce que justement, il n'y a pas chita sur prévention qu'on y a pour éviter faire et type d'opération ça ou bien répression. Donc, si la police n'a pas parlé, il n'y a pas pour actif, donc c'est normal que Bandi a valé terrain. Il a fait carré valé terrain tout le temps que la fonctionné dans la routine. Donc, je dis à, justement, nous pas qu'à adresser la question sécurité, ça que Kounian va adresser le problème gouvernement interne et institution. Mais qui vient de avancer Kounian? Faut le faire avec ta campagne de délicatesse, hein. Et moi, je pense que je dis franchement, hein. J'ai des barrières qu'on peut pas faire pour tout. Au niveau ça, on peut pas faire pour tout. Donc, bon expertise qu'on pas gagner au niveau vetting et autres, ou t'as pas besoin quand même d'une assistance technique, Kounian, pour t'avancer la donnée. Et même d'avant de Kounian, tout qui va le dissuader, tout Kounian, là, au monde qui va le concerner, et puis, pour t'as qu'à y doit avancer, parce que si pas ça, la peut ploser, si je peux la craser plus que j'allais redire. Ok. Robertson, par contre, vous avez une autre question. Moi, j'ai plusieurs questions auditeurs. Mais avant de nous passer avec questions auditeurs, tout à l'heure, Robertson, vous avez posé déjà la question sur la question HRC 1, 2, 3, qui s'est fait. Moi, j'ai en 2005 et le où on est monté comme directeur général de la police nationale. La police a été dans une situation extrêmement difficile avec plusieurs centaines de policiers qui était déserté après événement 2004, il y a des policiers tout qui était très politisé et c'était dans le contexte et opération Bagdad et également côté la police là et ben lui-même il était très sollicité pour le mettre la paix mais en même temps il était très ciblé tout par rapport avec gang armé qui était campé dans une partie dans cette ville là et dans cité soleil. Quelle stratégie ou tu mettais en place pour te restaurer la police nationale d'Haïti avec des centaines de policiers qui étaient démobilisés et d'autres qui étaient politisés, qui étaient des affiliations politiques et qui stratégie tout côté mettait pour être capable d'établir la paix et de quartier. Est-ce qu'on pense cette stratégie ça y est toujours d'application dans le contexte que nous avons parlé là? Bon, ça a été adopté. Nous avons changé l'approche là. Au lieu que vous n'ayez pas de faire opération dans le quartier, vous avez demandé pour les policiers, vous parlez dans un temps encore, qui les ont les vous allez m'a dit. Donc, l'approche est devenue une approche et bon. Communautaire, quoi, aux polices de proximité, qui est supposé, on cadre normal de fonctionnement de la police, parce que la police va pas fonctionner qu'on y a sans, il va exister qu'on y a là sans population, hein. Donc, d'abord, nous devons vous gagner confiance, vous gagner confiance qu'on y a, vous devez acte. Là, il y a une qui implique dans ces débats qu'on y a, vous voyez, en clair, ou à fond, qu'on y a, ou à appel, depuis les lois, depuis les règlements, hein. Donc, faut au moins gagner, et ça, pour corriger des rivières, faut des sanctions. Donc, laisse à Kounia tout, ou en forme de transparence, tout Kounia, pour sortir la question qu'on fait, de questions à un moment. Ça veut dire, la foule policière tombe dans le magasin, Kounia, pas de tomber à l'an Kounia là, ou simplement Kounia, vous sanctionnez, et puis tout le monde connaît qu'elle est sanctionnée pour ça. Et puis, vous prenez des mesures à l'interne pour capable, justement, redorer blason la police, puisqu'il y a des problèmes de confiance de la population. Donc, au fur et à mesure, c'est pour moi qu'a fait du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, Kounia, ça prend signal, ou vous voyez signal pour ça, on va arriver par, et regarder confiance de la population. Et c'est ça qui est arrivé, nous. L'homme nous monte, même provocatif tout dans ce sens. Nous provoquer et débat dans ce sens. Nous monte carrément dans la radio, nous disons que les policiers dans la cité soleil, à quelqu'un côté qui nous répond. Mais nous connaissons ça, ça fait débat parce qu'il n'est pas habitué avec ça. Mais même si ça me dévoile même, donc l'homme ne pas aller qu'on y a, m'expliquer pourquoi ça va aller. Parce que non seulement, un, il n'y a pas formé pour ça, deux, il n'y a pas faire des dommages collatéraux, il y a même tout qui est victime, pas pour aucun monde est victime, non, forme de bataille qu'on va entraîner pour lui, puisque c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, même pas, c'est que, après ça, c'est bon. Je veux dire, est-ce qu'après ça, lui-même, est valable? Mon cher, m'gadou, bon, pas aimer parler de bataille, ça, yo. Mais pas grand qui va possible là je veux dire tout bail est toujours possible ça dépend de gens la prochaine là mais nous peut-être que je veux dire plus d'âme il y a plus quartier qu'on y a là qui gagne problème et présence gang là d'ailleurs mais approche toujours qui est possible tout du moment que l'État comprenne dans qui démarche pour aller et que qu'on y a là et c'est pas tout le monde qui dans zone ça qu'on y a qui bandit il faut comprendre ces questions donc même c'est sûr que je suis capable de faire le même genre de fait dans 2007 mais de toute façon quand même qu'a fait
Ok. Et deux questions auditeurs. Et auditeur qui dit non et les constater et ça tout le monde fait constat et chaque promotion dans la police là qui fait sortir et policiers comptent jusqu'à 5 mois pour recevoir premier chèque. Est-ce que ça pas incité et n'a fait magouille dans recevoir et l'autre cob ou bien à dans mauvaise affaire. Et puis dans même sens ça il dit et nous constatons tout dans chaque nouvelle cohorte de policiers qui gradué qui mettait dehors et ben ça quand prend plusieurs mois pour et recevoir pistolet par exemple dans dernière promotion là il a commandé 1000 pistolets c'est seulement 250 et qui arrivé et son bail qui récurrent qui ça qui selon même expliqué où était ça mais c'est pour le gouvernement central c'est pour le bureau de gestion qui fait tout ça privé. Bon, la vérité, moi, pas de problème, ça, du tout, ou Google, non, et parce que, moi, m'étais conformément avec, procédure, quoi. Donc, pas capable, et ou pas gagner c'est parce que justement qu'on y a là un manque de contrôle sur ou pas gérer ou sous bien ou bien donc si vous ne pas gérer c'est un déficit que la police a gagné que c'est patrimoine la police là ou bien et que ce soit faiblesse moins matériel et physique on tout un monde de problèmes ça mais ça c'est plus important je dis là on parle de cohorte de policiers mais maintenant est-ce que gagne un public là intéressé avec connaît quel type de formation et ben policiers en dedans et la police elle est rentrée pour qu'elle sorte police. Donc qui type de police ou rien qui va servir sur société. Donc depuis nous gagne 30 ou bien 32 m'pas connait et 31 ou bien 32 pour que sorte déjà. Donc nous regarder globalement en termes d'évaluation qui ça les résultats les bails. Les connait la approche au changer pas quoi au changer. Parce que moi même côté moi t'ai attendu le matin c'est qu'on s'est d'où former des c'est militaire formé finalement on va voir évoluer. Eh bien, après, ça n'a pas de l'adresse, mais il y a toujours une réticence par rapport avec, et à l'interne, et toujours, même au niveau international. Mais, par exemple, le policier, qu'on y a d'abord, depuis, il fait 6 mois de formation, il fait 6 mois de brumel. Il est frustré dans la formation que la police vend à l'académie. Même pour le manger, comme si on a double le manger, il y a brumel pour le manger. Et puis, au lieu que d'acheter un pour faire médiation, comment on peut dire, pour le public là, et puis, il y a brumel, il est frustré. Nous, on a appelé le après mieux la petite bagarre le problème c'est que ben je vais parler d'enfants si l'on fait gendarme si l'on fait police donc même gens même face au bout des gros marchés ou pas écouter appeler pied il a appelé pied même avec nazio ou terrain ou appeler pied même prise sur des bagarres qui étaient là depuis 1974 qui est le territoire de l'armée et puis tout continue il a continué sous même lancé alors que la première police il nous était allé au téléphone marché comme ça en époque 1954 après occupation et on marchait comme ça encore aujourd'hui mais vous allez obligé que même bah là après les pieds 1 2 3 4 1 2 3 4 et puis on fait négouge mais c'est pas normal c'est police en fait ça veut dire les nèg rentre pendant institution là le former pour venir policier sur citoyen qui vient pour policier mais citoyen elle sorti il sorti plus frustré pour là et puis c'est normal pour le public là pour la population comme ennemi parce que là mais c'est comme ça les conformes là la mais comme ça bon là mais comme si vous battez avec vos ennemis c'est pas bon c'est une population c'est contre ça qui existe pendant la mais existe pendant la mais là qui vient faire que des nègres qui reçoivent une formation militaire et puis qu'on y a qu'à faire sécurité qu'à établir l'ordre de sécurité dans une société mais c'est normal vous le faites violation de droits humains avec tout ça ni rien je dis justement si vous n'avez pas les deux voilà qu'on a fait un divorce avec ça qu'on a voulu dire que un bail police là ou l'autre orientation c'est à partir de formation c'est à partir de quoi policier. Donc, je vous dis à la, soit formé pour vous militer, entre militaires, c'est la formé policier, entre policiers, mais qu'on y a lui répondre avec 1, 2, 3, 4, mais qui vient pour former policier. Donc, on va pas faire mon nez, et puis qu'on y a là, m'a dit, fierté pour Haïti, pour la manger, qu'on y a, pour s'indadou, c'est cadeau, c'est un malheur, pour voir qu'on y a, c'est son phage à faire. Mais là, c'est entre les vieux, les policiers, vous payez, mais comment, man? C'est ça, c'est problème, c'est là, même penser que société a tout. Ça veut dire, monde qui est intéressé à la question, Il n'y a pas justement pour comprendre ou bien connaître, il n'y a pas chercher connaître tout fonctionnement institution. C'est normal pour vous avoir une information sur ça. Si on m'a dit pour le public, il n'y a pas pour qui n'a caché. Donc là encore, il dit son paquet de liens, il est entré dans le cadre justement pour comment ou pral changer gouvernance sécurité dans le pays. Mais si vous n'avez pas changé les vidéos, vous avez même la forme, le même outil, là, bon résultat, là. On finit le problème pour la sécurité à Rodia là, ou bien après, vous résolvez. Mais demain, si vous voulez, on va faire face à un même problème là encore parce que justement, ça y est. Bah de base, nous pas corriger, dérivé, nous pas corriger.
Et après conseil de monde connait à chaque fois prend responsabilité pour te faire rentrer dans cadre norme pour garder respecter la loi respecter règlement ou bien politique à manger ou bien dedans connait à gamba qui parle connait nous policiers pas d'accord et parce que c'est pas comme ça fonctionner c'est chef yo donc il faut que nous retirer mentalité chef là la caisse chef nous tout ou comprendre en de façon à ce qu'on a nos soucis vivables mais tout temps pas rien comme ça tout gain problème on va pas la voir là parce que même gros problème on ça en dire parce que c'est l'homme de là il te présenter le malgré ces questions mais comment nous l'aller monsieur en situation de faire mon marché mais l'olive puis blou là bas problème les mêmes mesdames le café ça pour avec moi on va marcher normal pour qu'ils ça oublie faut saluer pour saluer que vous militaire comment men après c'est une forme de militarisation qui commence dans la police là sous la dans Robert sur nous changer ça veut dire c'est des qui commencent depuis dans zone 98 côté 96 bon au début côté c'est nèg nous même ancien militaire qui était dans les nous nous saluer puis tout le monde était exiger qu'on y a pour tout saluer déjà militaire. Mais comme si tout nous pas divorcé avec pratique, nous écrivons même tintin, même bagaille, et puis nous faisons même erreur. Donc je dis à même passer, pour que la sécurité soit adressée, il faut qu'on adresse les gouvernements internes de la police. Il faut qu'on non seulement adopte, il ne faut pas changer, non, il faut qu'on adopte un nouveau paradigme. Nous ne pas adopter, nous entrons dans l'État, nous retenons nos conceptions exclusives de la sécurité, côté que cette force-là, qui a la sécurité. Et puis pendant ce temps, on a un problème de cohésion dans la stratégie opérationnelle, ou qu'on a dilué le personnel là, et puis on duplique les ou aux unités qu'on y a là, qui a fait même travail là, et puis deux, trois unités qui a fait même travail là, pour avoir un seul. Donc tout ça, c'est le problème de gouvernance, qui bat ça, je dis, comme problème de sécurité, oui. Et la gouvernance interne à la police seulement, non. Gouvernance interne globale, ça veut dire, politique, par la haute, détachée par les dimensions, pour comprendre, ça aurait les sécurités en nos pays, ça aurait les considérations de fonctionnement institutionnel en nos pays. Monsieur Andersol, merci à Pélu, d'être disponible pour nous matin. Merci. D'accord.